Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le voyant. Oh my god, my god. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous le voyez, j'ai essayé de faire une petite déco cocooning avec ce joli petit sapin. Je l'ai acheté à Jiffy, donc il était quand même à 8 €. Donc ça va, après bon, on peut pas vraiment le décorer car il est assez petit. Il est tout mignon. Donc voilà. Petite DIY déco cocooning, voilà, pour justement pour Noël. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera ma wishlist de Noël, évidemment, comme nous sommes en décembre. Déjà j'ai commandé quelques petites choses pour Noël, donc alors premier cadeau que je voudrais, c'est, donc oui, j'écris là mes trucs, donc voilà, je vais regarder un peu en bas. Donc alors c'est fragrance, lotion, coconut, passion de Victoria's Secret. Donc oui, en Martinique, si vous ne le savez pas, il y a un Victoria's Secret qui a ouvert dans le magasin de Nocibé à la Galeria. Donc je suis hyper contente. Donc c'est une lotion qui coûte vers les 19,95 €. Donc pour les produits, je vous les mettrai en bas par là, près du sapin. Ou par là, je vous mettrai des petits close-up. Que vous voyez les produits que je... Un rouge à lèvres de chez MAC, donc oui, on a un MAC en Martinique, un seul. Et je voudrais un rouge à lèvres assez rose, mais genre qu'on peut porter un peu tous les jours. Comme le Please Me, donc je vous montrerai là aussi. Genre les couleurs qui pourront m'aller à peu près. Donc après, je voudrais genre des palettes de maquillage. Donc j'en ai déjà reçu une dans un colis que je vous ferai prochainement une vidéo dessus. Mais d'autres palettes, genre pour changer de marques différentes, genre qui coûtent pas trop cher, dans les 20-30 € au moins, pour au moins avoir de la qualité. Après, je voudrais alors des baskets, oui, je sais pas pourquoi, mais c'est Noël, je veux des baskets, des chaussures. Je voudrais les Originals ZX Flux VRB, je sais pas comment on prononce ça, métallique de Adidas. Donc je les ai vues sur Instagram et je trouvais qu'elles étaient pas mal. Et ouais, je me suis dit. Après, je voudrais aussi les originales de Adidas, les Superstars. Donc, je sais pas si je prononce bien, voilà. Les Superstars, genre en blanc ou en noir, ou n'importe de quelle couleur. Que ça soit la base, les basiques. Je voudrais aussi les chaussures LED e-shoes. Donc, celles-ci, elles sont chez Domia, mais on peut un peu les trouver partout en France. Et genre elles sont pas trop chères, elles sont à 59 €. Que ouais, elles sont pas mal à la mode et c'est pas mal de porter ça en soirée. Et les chaussures, donc la machine à laver, donc le e-board classique, c'est un peu les deux objets qui vont avec parce qu'ils s'allument et tout. Et c'est la nouveauté de 2016, on va dire ça, que tout le monde va avoir. Déjà sur Snapchat, je vois beaucoup de gens qui l'ont machin, qui l'ont testé machin. Donc le e-board classique, soit en blanc ou en noir. Donc je dis ça, mais je suis pas sûre de l'avoir parce que. C'est juste un petit outil genre pour s'amuser ou quoi, donc voilà, c'est pas genre un truc important quoi. Donc voilà, il est à 339, donc j'ai pris genre le moins cher. Enfin, après c'est tout, après c'est tout pour ma wishlist de Noël, mais je voulais genre prendre un peu plus de maquillage comme cette année j'ai plus été addict au maquillage qu'à la mode, même s'il y a pas mal de trucs qui me plaisent chez Pinky, ouais, parce qu'on n'a pas de Primark ici, non, chez Pinky, qui est genre des pulls un peu comme ça, mais plus longs, ah, donc, ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, franchement, j'espère que ça va vous aider à choisir des cadeaux, ou même, je sais pas, à trouver quelque chose pour Noël, justement. N'hésitez pas à en faire une, c'est super, les parents seront contents de voir les choix que vous avez fait pour les sélectionner. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ma mère. Et j'ai demandé à ma mère de m'en faire une. Donc voilà, au moins ça va me faciliter les choses. Donc à plus. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!